Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bon week-end. J'espère que nous avons passé un très bon week-end. Et encore une fois, encore, nous commençons ce matin. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, pour saluer nous, depuis Maryland. Côté que moi, je dis à mon travail à la caille, c'est comme ça, à la haie, mon travail à domicile. Donc, Jacqueline Vélizé, dans la caille, là, je dis. Actualité sur le plan international, c'est Niger. Niger ferme l'espace aérien. Dans le moment de délai, CDAO, donc pays bloc économique, à pays Afrique de l'Ouest, ont été fixés pour le terrain mettre pouvoir par le président déposé. Mais le délai, ça a passé depuis dimanche. Donc, en réponse, monsieur dit que vous fermez l'espace aérien. Puis, vous faites qu'on est n'importe quel pays qui a traversé l'espace aérien, mais sans prendre ses portes. Donc, n'importe quel pays qui a essayé de violer l'espace aérien Niger là parce que vous fermez l'île. Eh bien, ça prend ses pas. Et puis, dossier, il a semblé que le président, en fait, le média américain a rapporté, et cité même, il y a une dame qui semblait chercher à assassiner le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Eh bien, monsieur Genaï, dame non, j'ai une arrestation. Et entre-temps, Moscou, lancé une attaque qui tuait 3 mois. Donc, pratiquement, selon la situation, et super international de ces migrations, et sous frontière États-Unis partagée à Mexique, là, et il faut fait pour UN qui mesure à mettre en application le dernier accord États-Unis avec Mexique pour que les immigrants qui au Mexique sont capables de demander asile sous frontière. Maintenant que les autorités mexicaines ont pu construire un centre pour sous frontière, tout, une façon de protéger les immigrants parce que. Il a semblé que la situation sécuritaire n'est pas finie pour le job. Ça va dire que les gens qui souffrent, ça veut dire que les gens ne prennent pas rendez-vous, non. On peut toujours prendre rendez-vous pour demander asile, mais vous voulez faire l'autre gens qu'on y a. Et puis, nous rappelons que dernièrement, il y a un tribunal d'appel, c'était jeudi passé, qui a pris position avec le gouvernement, qui était d'accord avec le gouvernement fédéral là, et avec restrictions gouvernementales imposées pour les gens. Cap vient demander asile sur frontière, surtout sous passer de l'autre côté, il dit avant même de venir sur frontière, ou demander protection dans l'autre pays pour traverser, avant de venir demander protection. Donc, sous Bafel, il y a refusé. C'est un tribunal de basse instance qui a décidé autrement, il dit non, le gouvernement a violé la loi pays, même la loi États-Unis. En tout cas, le tribunal d'appel là, tant d'arguments gouvernement, il va vraiment dire même sous façon de protéger. Flow monde, flow immigrant qui a demandé à l'asile, c'est l'affaire que vous mettez en section. Le tribunal d'appel là et aller dans ce sens avec le gouvernement. Ça va bien toujours non parce que la partie qui était portée le dossier devant le tribunal là et devant le tribunal de base instance, la partie ça a toujours mené le dossier devant le Cour suprême. Donc nous allons prendre un absolu dossier ça pour nous restituer en savoir aller. Et puis, actualité toujours dans mission. Qui concerne le pays d'Haïti, mission militaire Kenya, avec son délégation qui vient pour l'Haïti en son cabine là, qui seront pour faire son mission d'évaluation, pour faire garder terrain et étudier terrain pour voir qui ça y a besoin pour mener et pour prendre cette mission militaire ça qui est pour aller en Haïti, pour aller et déposer ça sur la combattre les gamins qui ont semé la terre dans le pays. Donc, mission d'évaluation qui est pour venir, entre temps, États-Unis lui-même l'a encouragé Kenya et il dit l'a supporté mission militaire par en Haïti. En fait, il dit que lui-même États-Unis Canada il a cherché et moyens financiers par exemple pour ouais dans quelle mesure qu'a pourrait supporter mission ça pour qu'a réussir dans mission qu'il pourrait faire et il y a plusieurs autres pays qui semblent être intéressés pour eux-mêmes participer dans mission ça à titre de et militaire ou bien encore soldat. Dans la mission de la paix, on a bloqué par exemple dans le cas comme non, il y a Jamaïque qui a aidé à dire qu'il a participé dans une mission comme ça, et puis il y a Bahamas qui dit lui-même tout a participé, tout, et puis un troisième pays qui dit que lui-même a participé tout, dans la mission ça. Et puis selon un média cité et un employé, en fait, un fonctionnaire du département d'État, en fait, fonctionnaire du département d'État, c'est M. Robinson qui s'invite à dire que mission ça
et il capable coûter entre 200 à 400 millions de dollars là et en Haïti mission et Kenya va diriger mission rien peut me demander que la mission ça fait est-ce qu'on va faire immédiatement quand est-ce que ça prend nous va connaître et parce que grand pile par mise en place pour fait entre les États-Unis lui-même l'a fait des marches États-Unis par exemple des poli mettez devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et une résolution qui peut autoriser Kenya pour la pour faire mission parce que Kenya a posé ça comme condition il faut que l'autorisation des Nations Unies donc les États-Unis dit lui-même l'a fait ça. Donc, les États-Unis avec l'Équateur à mettre ensemble et présenter une résolution devant le Conseil-là qui pour permettre que le Conseil-là autorise la mission SILA. Et dans l'autre nouvelle, concernant la mission SILA, la République dominicaine a renforcé, en fait, les dit ou bien renforcé la présence militaire sur la frontière dans le cas que tu as une présence militaire étrangère en Haïti, c'est une façon pour le défendre le territoire. Donc, je dis eux-mêmes, il a renforcé. Et mesures de sécurité par eux, donc il y a mis plus de militaires sur frontières, toutes les zones frontières qui ont été partagées avec les Dominicains, de façon pour protéger frontières, surtout pour. Et ils ont averti tout, M. Negame, Cap-Simataire, si ils comprennent qu'ils sont capables de venir cacher un peu de Dominicains, de sauver un peu de Dominicains, ils ont arrêté. Donc ils ont lancé une sorte d'avertissement pour eux. Et puis nous que de ce qui n'a pas la continuer et puis et dernière nouvelle yo et docteur Renol Grandpierre nous rappelons que Negame était kidnappé 22 juillet passé et bien monsieur j'ai une libération et il y a dimanche là alors et entre temps pendant que monsieur était dans kidnappé yo madame c'est Roselyne Grandpierre et bien madame était morte subitement on était mort subite. Il était mort 8 jours après que M. Diffie n'a pas été. Nous ne savons pas si final la fête déjà, mais s'il peut qu'on fête. En tout temps, Haïti a continué à crier pour petit Lio. Après, le journaliste Lian ne peut pas mourir. Il n'a pas tout pas l'ancien président provisoire, et M. Boniface Alexandre, qui est lui-même mort vendredi. La Kali, bon, il était 87 ans. Et puis samedi, et il était enterré ancien premier ministre Jean-Jacques Honorat donc il est enterré donc voilà c'est la situation et puis le football on parle là que nous net dès une game ils ont dit nous game à cafet que mon cap tombé et bien mes amis États-Unis tombé dans haut sous tir de pénalité face à l'équipe la Suède là qui balle en pit mais États-Unis domine match là mais États-Unis pas comme comment qui colle domine match là la équipe la Suède la défendit mais États-Unis pas comment qui colle mais il y a après prolongation aller sur tir de pénalité et bien ça va avancer bien pour États-Unis et États-Unis perd une mort subite. Il était fini premier série pénalité à égalité et puis dans deuxième série pénalité et on joue États-Unis un bon joueur et là il ballon dans poteau ballon pas dans poteau et puis il joueur sud va venir shooter pénalité gardien kembe ballon gardien touché ballon mais pas avec force assez ballon tombé exactement légèrement question de millimètres parce que si pas bien voir ou pas ta habitat pas ta baïkol là fait et c'est pénalité contre mais l'éal n'en va là mais va là baï que effectivement pour la tégoire parce que vous la traversez ligne de but avec millimètres une question de millimètres faut jouer à bon pour et puis et donc États-Unis retourner bon il va content je dis que États-Unis va gagner à ce niveau pour arriver là pour la éliminer là devant la n'importe quelle il faut être États-Unis va dire comme ça non comme je sais même équipe ça décalé et puis dans le match il joue toujours. Et alors, nous avons la Hollande qui qualifie, et l'Espagne qui qualifie. Donc, deux équipes qui ont pu rencontrer tout dans le quart de finale. Un bel match entre deux belles équipes européennes. Et puis, je dis à l'équipe qui a perdu. Je dis à c'était match. Et Angleterre qualifiée dans la douleur, vraiment dans la douleur, face à l'équipe. Et l'équipe Afrique du Sud, la match a fini 4 à 2 en faveur anglais. C'est ça. Je ne vais pas tomber, non, mais je ne vais pas dire si je tombe, non. Et puis ensuite, il y a l'Australie
l'Australie lui-même qui calé Danemark, qui calé Danemark et 2-0. Donc mais équipe africaine, équipe Nigeria, c'est lui qui joue face à l'Angleterre. Mais c'est dans la douleur, vraiment, l'équipe Nigeria a quimbé anglais dans le coup. Dans le coup, jusqu'à ce que les matchs dans la prolongation, on n'est pas tombé. Mais malheureusement, il y avait souci de pénalité pression. Et bien, anglais ont eu souci de pénalité 4-2 parce que les Nigériens ont eu deux points de pénalité et ils ont mis deux. Ils ont battu. Donc, voilà. Et puis, demain, par un bel match tout, c'est Colombie qui va rencontrer lui-même avec l'équipe Jamaïque là, donc dernier représentant CONCACAF là pratiquement dans la Coupe du Monde là, c'est Jamaïque, donc représentant Caraïbes là tout. Donc Jamaïque va rencontrer avec nous gain deux gros autobrino sur place, deux envoyés spéciaux New York, appareil de Gentil Junior Augustin avec Valérie Saint-Louis, monsieur Déjà Melbourne, côté rencontre ça a déroulé. Monsieur a apporté des dernières nouvelles pour nous, surtout réaction fanatique après et au fin de garder encore. Et puis, on a dit que le match de finale a commencé le 10. C'est pas un bel match tout. C'est pas l'Espagne contre la Hollande. Et puis, on a dit avant de nous. Donc, demain, c'est pas le dernier match et phase et 8e de finale là. Les Jamaïques vont rencontrer avec. Non, c'est pas en fait deux matchs demain. Et bien deux matchs demain, bien la France contre Maroc. Et puis l'équipe qui a les Colombie et Jamaïque, c'est lui qui a rencontré avec l'Angleterre en quart de finale. Et puis l'équipe France-Maroc, là, c'est lui-même qui a rencontré avec l'Australie, parce que l'Australie lui-même est aussi loin possible qu'on est capable de vivre dans la compétition. Mais c'est un bel match entre même les sous-papiers, l'équipe d'Allemagne là, t'es favori. Mais tout terrain, c'est pas ça, l'Australie est montée, non. Et mesdames, je dis, mesdames, je joue football. Mesdames, je joue bon football. Aucun d'ailleurs le football forme n'est pas vraiment l'élève. Mais dans le jeu de football, et je suis fort. Je suis fort. Et garder gardien, par exemple, gardien, match, garder match, et gardien, équipe Nigeria, gardien joué, gardien 15, mené équipe là. C'est même pas que nous avons gardé pour garder équipe et match, par exemple, gardien la Suède là, qui peut équipe là sous dol. Mais heureusement pour l'équipe qui a qualifié. Donc voilà, mon bas c'est que c'est ça mon petit sélection football U15 haïtien qui ça c'est champion en titre Union Football Caraïbes là, et ben il a commencé bien défensif dans série qui a joué dans République Dominicaine, et ben hier dimanche là et haïtien a poussé de Cuba en victoire 3-1 et jeudi encore il a pris contact avec Qatar et puis demain et qui va à mardi 8 il a pris contact avec États-Unis. C'est, rappelons ça, c'est sélection U15. Là. Après sélection U15 en finale de la bataille, nous parlons de sélection senior la qualité de la bataille tout dans la Ligue et Ligue pays, dans le championnat pays et contre Cafio. Et ensuite, non, on t'a vu encore, mesdames, nous parlons de tout en liste pour l'autre championnat pour Coupe d'Or contre Cafio. C'est la première édition Coupe d'Or contre Cafio. C'est Robert Philippe qui a salué nous, qui explique que nous n'avons pas son bon week-end. Et d'ailleurs, nous là, c'est parce que c'est ça fait nous là, nous n'avons pas son bon week-end. Nous sommes contents pour là. Et puis, nous avons rencontré avant encore un peu plus tard. Je veux dire, on a parlé un petit peu de l'équipe légale, ancien président Trump. On a rappelé qu'il met un message sur Truth Social, qui est le réseau social, ancien président possédé lui-même. Et bien, il dit qu'on sort de menace, je dis. Et bien, il dit monde qui vient après. Poursuivre et bien lui-même la poursuivre tout ça que et ça qui va bien vu l'autorité de la justice parce que dit qu'elle les cible on sait les gens qui a poursuivre lui-même tout pour poursuivre tout donc ça veut dire que nous parlons ça veut dire mais et avocat le défend ça et avocat enquêteur tout voyez on l'aide by et juge et c'est juste Tania qui a pu présider le dossier ça et lui même qui a analysé le dossier mais lui même il dit que et il demandait pour limiter et information bien limiter encore et information il y a pour et pour partager avec le public là donc il a limité dans ça rien pour partager avec le public. C'est voilà c'est le dossier que nous suivons et malgré pour parler un petit peu de ça, de réaction, avocat, équipe légale, ancien président,
Et la fait suppression ça. Et puis, je fais tout parce que j'étais dans la presse pour discuter raison qui fait eux-mêmes, ils voulaient coucher en quoi. Et puis, ils ont dit que c'est peu ou peu. Ils ont fait tout ça. Donc, c'est mon dossier que je suis pour. Et puis, et Jacques est encore là. Et avec Odigues. Et puis, il y a tout. L'autre point surtout, on a tout sous dossier Niger là, nous avons qui ferme l'espace aérien pour tout mauvais jeu. Il dit que tout le monde qui a essayé de violer l'espace aérien, et bien ça prend, c'est pas. Bon week-end tout le monde, bonne semaine avec la voix de l'Amérique, bon après-midi. On se rencontre plus tard. Bye bye. Et pour avec toujours force multinationale ça que qui t'a dû débarquer en Haïti avant longtemps, qui t'a dû arriver dans le pays. Et surtout, d'abord, après ça, on force évaluation qui t'a dû arriver dans le pays, qui c'est autorité dans le pays Kenya qui peut le voir. Force multinationale ça pour venir accompagner la police nationale d'Haïti. Non, regardez comment que Kabata contre question insécurité. Qu'on connaît, je dis, qui c'est plus gros fléau qu'à manger. Société haïtienne et qui rend que en pile acteur, en pile monde, en pile secteur a vivre des moments très difficiles. Mais est-ce qu'on connaît depuis les autorités dans le pays Kenya yo? Depuis après ministre affaires étrangères pays Kenya Alfred Mutua a fait déclaration qu'il était fait dans micro on a dit que journaliste dans le pays Kenya sous dossier haïtien il y a un pile débat qui commençait à fait. Il y a pile réaction commencé à faire. Beaucoup de différents acteurs politiques, droits humains, société civile, dans le pays d'Haïti. Et d'abord, même beaucoup de acteurs dirigeants qui dans l'État eux-mêmes. C'est déjà un message que le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Genius lui-même, l'été déjà dit que yo accueilli, yo recevoir offre ça que le pays Kenya fait. Exactement, pour qu'elle capable mobiliser 1000 policiers, viennent accompagner police nationale nous, hein? Ok, viennent accompagner police nationale nous, hein? Et puis à côté que de soldats policiers qui ont galvoué, mais pays Kenya entend que lui-même, pour qu'elle capable mener tête force multinationale ça. Et depuis là ça, débat a commencé à fait. Depuis là ça, réaction commencé à sortir. Beaucoup de différents acteurs, beaucoup de différentes couches organisées dans la société haïtienne. OK? Beaucoup de différents acteurs, beaucoup de différentes couches organisées dans le pays. De monde qui gessanre les expertise, de monde qui gessanre les connaissances dans affaires insécurité en Haïti. Même le que ça que vous kon partage en termes de ça ou gen comme savoir, li clairement pas défini. Ça que vous gen, ça que y a dit, li contraire avec réalité, mais en soi, en grosso modo, en pile nan moun sa yo, yo kon décide by position yo, yo kon décide by réaction yo di mot pa yo sou sa ka passé dans pays et acteur ça ou comprendre que et jusqu'à présent en pile nan yo rete quoi
en pile là d'accord que ces forces multinationales ça qui capable venir aider nous dans bataille contre ce gang armé en notre pays hein? Mais pour une autre catégorie, pour un autre groupe monde, acteur politique, économique, droits humains, il a toujours été croire que police nous gain là, police nationale nous, li ka bay résultat. Li ka bataille contre question nek armé yo. Il suffit que yo bay la police nous matériel. Yo permettre que li gen sa rele ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles pour la bataille contre question gang armé en un pays. Et ça fait ouais opinion partagée. Et nous t'ai gardé la fois dernière dans une émission côté que t'ai gagné un débat. Yon opinion diverse entre PM, ancien PM Joseph Jout et puis Evans Paul Dikapé. Si pour Evans Paul li qualifié c'est une honte et vraiment c'est une honte que les que c'est international qu'a vinn mettre au là qu'a vinn mettre la paix dans mitan peuple haïtien yon, selon ça qui dit que bon côté Evans Paul lui dit que pays d'Haïti nous pas en guerre. Nous pas en guerre, c'est vrai go situation d'insécurité, go situation de criminalité cap fait, cap produit et qui existe jodi an en de pays an. Mais réalité ça, problème ça qui gagne an, en clair, li mandé et pousser que nous capables réfléchir, nous capables garder en soi comment que problème ça capable résoudre. Et sinon, avec ensemble de problèmes qui gen là yo, c'est comment que capable résoudre. Eh bien, en CPM Evans Paul dit capé li même ni quoi que police nous, police nationale nous, li capable faire premier pas, li capable résoudre problème insécurité. Pas question que une force étrangère débarque dans pays d'Haïti. Pas question ça. Parce que le croit je dis, police pays d'Haïti, li capable. Oui, il est capable parce que les habitués menaient des séries de bataille déjà. Les habitués menaient de bataille contre gang armé en d'un pays. Hein. Les habitués posaient des séries de action concrètes en d'un pays. Hein. Et ce n'est pas jodi hein, que ils n'ont pas capable de résoudre. Ils n'ont pas capable de bataille contre question avec armée en d'un pays. Hein. Alors que pour Joseph Jout lui-même, monsieur clairement dit, police non capable, c'est vrai. Oui. La police est capable, c'est vrai. Mais, li besoin sans capable rele, yon support. Li besoin un renfort. Et renfort ça, en soi, li pral edel pi efficace et ben pi bon résultat kote question gang armé en un pays. Ça pral edel nan bataille kote individu armé, kote criminel notoire et tout ensemble de moun sa yo nan pays y a capable jwenn résultat. Parce que selon Joseph Jout, peuple a boumé en pile. La police a bataille en pile. Mais jusqu'à présent, li poko capable joine
ça que l'a cherché comme résultat. Li poko capable joindre ça que li besoin qui s'établit la paix dans pays. Et bien là réaction pas campé vraiment parce que un ancien colonel Himmler rebu que nous prenons pour éviter d'entendre dans quatre interviews ça que lui même li bail avec confrère nous dans Magic 9 sous situation insécurité paysan et en même temps tout sous éventuel déploiement force multinationale ça. Une première parole que Himmler rebu lui-même dit et qui attire attention, c'est le colonel Himmler rebu clairement dit. C'est le que colonel Himmler rebu dit. Si policier kenyan sa yo, si yo met nan tête yo, c'est yo qui pral marcher. Yo pral rentrer en da ghetto yo. Yo pral rentrer en da village de Dieu. Yo pral rentrer en dedans quartier Grand Ravine. Y a rentrer nan Tibois. Y a rentrer nan base vite l'homme. Base Grand Griff crasé barrière. Vite l'homme innocent. Base Grand Griff et la Luxon. Monsieur Coco a san ratio. Li clair. La police, l'État haïtien, Conseil de sécurité de l'ONU, yo met déjà paré yo pour que yo achete sekay. Et c'est presque chaque jour, y a acheté sekay, n'importe sek sa a 600 sekay, pour ka enterre soldats étrangers sa yo. Pour ka enterre force multinationale ça qui lui-même t'a metté dans tête li quelqu'un vinn goumen quelqu'un vinn bataille contre force étrangère ça quelqu'un vinn goumen quelqu'un vinn bataille contre force étrangère ça dans pays et je dis à c'est ça comme réalité. Et je dis à c'est ça pour essayer de comprendre par rapport avec comportement par rapport avec comportement qui existait bon côté l'État haïtien bon côté dirigeant nou yo dans l'État et colonel Himmler rebu. Monsieur clairement dit que ça fait mal. C'est parce que le pawé volonté ça. La caille équipe en place là. La caille pouvoir en place là. Qui c'est Ariel Henry. DGA et la police là. France LB pour que yo ta prend de disposition. Pour yo ta arrivé maté. Phénomène insécurité. Ah oui. Et li clairement gade, réalité qui a passé jeudi dans Kenya. Et selon colonel Himmler rebu, li clairement dit que pays Kenya pas un bon exemple comme pays qui capable de mener force étrangère ça. Parce que lui-même en soi, il a des propres problèmes pâles. Et il a même reproché comme pays avec soldats et puis policiers qui sont plus violents dans l'Afrique de l'Est. Ça veut dire que le comportement policier et soldats pays Kenya, c'est le comportement bourreau. C'est le comportement
craser zo. C'est des comportements à tout fait, malfaite. Et là au débarquer dans pays, yo pral fait en pile habit. Yo pral fait en pile méchanceté. Mais en même temps tout, yo a joine à zo grand yo tout. Selon ça qui dit bon côté ancien colonel Himmler Rebu. Et clé pour le dire que police kenyane, c'est police qui pi brutal dans Afrique de l'Est. Nan. Ça veut dire que nous ka déjà gagné une idée. Les bien, nous ka déjà gagné une idée. Si que policier dans le pays Kenya sa yo, yo ta débarqué dans le pays, hein? Yo ta vini dans le pays, hein? Et pour vin aider police nou, hein? Vin aider gouvernement haïtien, hein? Bataille contre question avec armée dans le pays, hein? Nous ka déjà imaginé, nous ka déjà ouais. Nous avons déjà compris comment que situation sera lui-même compliquée. Et je dis, c'est ça pour nous garder comme aspect. Parce que nous avons des bourrades dans ce vrai. Parce que lui écrit selon défense des droits humains. Maître Jean-Ronel Sistanis, qui clairement dit que l'écrit noir sur blanc, non, ça n'est pas brûlé. Droit international, non, pour que un pays qui est dans une situation difficile, un pays qui a besoin d'aide, parce que là, qu'on est des moments de sécurité difficile, c'est tout à fait normal pour le monde des sipos, pour le monde des bourrades, bon côté de l'autre pays, qui yo même, capable d'aider. Là que déjà, détail qui dit, bon côté ancien colonel, Himmler Rebu, par rapport avec la police dans le pays Kenya, qui c'est une police bouo, une police krasezo, mais déjà dit tout que, les que messieurs Sayo, les que groupe policier Sayo, débarqué dans le pays, ou déjà imaginez quantité dégâts. Quantité dégâts que yo capable faire. Et dégâts sa yo, li pral gen en pile conséquence. Ah oui. Li pral gen en pile conséquence sous peuple haïtien. Et même Jean que soldat ministre yo, yo te arrangé yo pour que yo te batte contre son gang armé en un pays, c'est vrai. Après coup d'état 2004, contre ancien président je mettrai Aristide. Et les sat après que ça relé débarquement ministre dans pays, hein, que pays Brésil c'est lui te prend gouvernail. Force multinationale, ça, ministre dans le pays. Hein? Et tout nous, tout qui valait conséquence, et qui ça a laissé pour nous comme résultat. Yo quitté choléra, yo quitté ou ensemble petit monde, ben, nan même mesdames haïtiennes nous yo. Parce que yo t'a en relation avec yo, après ça yo viré de yo aller. Et ça arrive souvent. Dans un pile déploiement, mission étrangère, qui fait dans un pays pauvre, ça yo,
et qu'on ait de résultats, qu'on ait de conséquences négatives qui qu'on gagne. Et clair pas de débat sur ça. En pile côté que des soldats étrangers ou bien une force onusienne, une force étrangère débarquer dans un pays qui est en crise, on met d'accord que après ça qu'on relé le pour et le contre de situation ça. Ah oui, après de conséquences et de graves conséquences qui ont existé, qui ont pris place li, par rapport avec action cap poser cap commettre nan mitan nan comportement ensemble de acteurs sa yo et je dis hein c'est ça pep haïtien lui-même. Et ça, on ensemble de acteurs dans la société. Il a posé comme question. Et il a dit, tête, présence force multinationale, ça. Est-ce que vraiment que nous prenons un résultat? Est-ce que y a une réponse qui prend le poté vraiment? Et je dis à moi, je voulais dire ce que me dit non. Ouais, situation que Haïti a qu'on est là. Situation que nous vivons là. Depuis que l'autorité yo Conseil sécurité l'ONU. Depuis, il voulait aider nous. Ou mettre quoi souvler. L'a exactement résoudre. Parce que ça, pour qu'on ait pour dire tête. Police nous a ligé volonté ça. Police nous a ligé volonté pour résoudre problème ça. Même les que gè de problèmes qui gagnent nan mitan la police non. Même les que gè de problèmes qui existaient au CPNH non. Mais nous capables résoudre li. Et c'est là que ancien colonel Imler Rebu voulait montrer que par A plus B, si que yo bien équipé, si que yo bien bay moyen avec police nouan, équipement, matériel, zam, munitions et formation technique anti-gang, en certain que y a bay résultat. Et ancien colonel lan lui-même, monsieur toujours voulait porter comme citoyen haïtien pour aider l'État haïtien, pour aider les dirigeants dans le pays, hein? Pour garder comment que par A plus B, ils sont capables de résoudre ça qui est là comme insécurité. Et le colonel Imler Rebu clairement, en pile fois, il a fait de propositions. En pile fois, il a fait de propositions avec dirigeants qui dans l'état yo
les que situation insécurité ça li présenté li paraît devant je peuple haïtien laisse ça pour essayer comprendre laisse ça pour analyser laisse ça pour garder comprendre réfléchir qui meilleur moyen qui pi bon façon que yo pral prend action que yo pral poser pour résoudre problème insécurité et ancien colonel Imler Rebu dirigeant Gréan monsieur exprimé ça capable reler doute li doute que le gagné OK doute que le gagné sous que force multinationale ça que force ça capable bail résultat li exprimer tout ça qui est comme réserve comme doute que force ça pral débarquer dans pays d'Haïti et un bon matin que pral tande insécurité hein problème nan le résoudre monsieur dit non il pas croit que un bon matin comme ça que déploiement pral fait et déploiement qui fait là que problème n'a pas tout résoudre non et monsieur allait plus loin pour le dire dans interview ça que me galgué chance pour entendre hein li trouvé que il y a trop tolérance entre pouvoir bon côté pouvoir envers mandio li trouvé que pouvoir a toléré pouvoir a sitiré bandi armé yo alors que peuple haïtien lui-même l'a crevé dans la misère l'a mouri en babal bandi y a kidnappé petite li y a violé mesdames nou yo ensemble avec fillette nou yo et ça qui c'est une honte pour soi-disant autorité qui dans l'état selon ça qui dit bon côté colonel Imler Rebu. Et quoi aspect qu'on est capable de garder vraiment les que Imler Rebu clairement dit pouvoir à tolérer bandi yo alors a toléré bandi yo alors que peuple haïtien lui-même en soi a connait deux moments très 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 difficiles ah oui a connait deux moments très 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 difficiles et je dis à au cas dit en clair c'est pas menti parce que le regard de jeudi, ça qui t'est passé exactement dans la zone Truitier, zone du Morné, les que bandi bas crasé barrière même en soi, décide à attaquer moun ka viv dans la zone sa yo, et puis, kal pran refuge yo, devant l'ambassade américaine, dans tabar. Au lieu que pour la police, tu as mené bataille contre gang yo, ou plus ouais que, mettez internet sur ça. Hier, tu es fait dans des t-shirts, ça a des programmes, pas de balle dans ça.
Un mot qui est. Et le regarde exactement. Au lieu que la police lui-même en soit. Au lieu que la police lui-même en soit. C'est bien, oui. Te al courir des bandits, bas crasé, bas éviter l'homme innocent. Ou plus, ou est que c'est moun yo qui est devant l'ambassade américaine, non? C'est de moun, des moun qui ont al courir. Et c'est même jetou. Au lieu que la police al goume kote base, base grand griffe, non exactement, non lien cour, jusqu'à présent, la police pas jamais al pose une action nécessaire, al pose une action sérieuse. Côte bandit basse gra griffe. Alors que chaque jour tendez, je que bandit sa yo, ap touye moun. Jusqu'à ce que ces deux bandits, pareil yo, qui décide de camper, ces deux bandits pareil yo, qui décide d'agir, ces deux bandits pareil yo, qui décide de prendre sans capable briller gouvernail question banditis qui décide de prendre gouvernail et qui décide de prendre sans relé en charge bataille contre question gang dans Balatibonite. D'ailleurs, au content d'elle, c'est équipe coalition Kapé Goumen qui méprise hein, dans Jean-Denis qui yon même toujours campé et fait face carré avec bandi armé sa yo. Oui, et ne songe que. C'est équipe qui méprise. Équipe coalition Kapé Goumen. Hein? C'est lui-même en soi. Ah oui. C'est lui-même en soi. Qui toujours engagé pour aller faire face carré à Kapé Goumen avec monsieur Elan Luxonio. Basse-gra-griffe. Et en même temps, nous sommes capables d'entendre que comment que bandit, basse-gra-ravine, s'il a pris à diriger, comment que, très bien, comment que bandit sa yo, yo été la vie un policier et dit des risques samedi en même temps tout gen en pile moun ki sorti blessé nan savane pistache en babal bandi bas ti la pli nan gravine alors que c'est pas jodi an la que problème ça que nèg yo nan niveau 3e nan y a posé action sa yo et yo rend pèp ayisyen invivable pendant que n'ap rappelé et n'ap songé clairement gagnen sénateur état Floride là Marco Rubio qui t'a clairement dit dans quatre une réunion de travail commission affaires étrangères sénat américain monsieur était clairement dit dans données que vous gagnez dans ça que vous avez qui enregistré comme base dans mes comme base de données 60% territoire national pays
li occupé, li contrôlé par un ensemble individus armés. Et ça pour nous comprendre que dans sa colonel Himmler et Dian et Umbo qui ka en vérité, c'est que l'État, autorité qui l'a eu, yokoun nan ki base, yokoun nan ki zone, yokoun e fief, tout bandi sa yo. Bien Samdou la, yokoun nan ki base, yokoun nan ki zone, que tout bandi sa yo même a vive. Et qui sa explique que dirigeant nou yo, autorité nou yo, acteur dans l'État, qui sa qui explique que yo pas jamais vraiment al desi tire nek armé sa yo. Yo pas jamais vraiment al poser de action concrète pour y ve démanteler. OK? Pour y ve démanteler. Pour y ve décitirer. Bandi armé sa yo. Kap coupé rachi. Kap touye. Kap violé. Et kap mette di fe. Nan kay malere ak malere sa yo. Jodi an, sa ki explique vraiment que autorité nou yo, yo pa vle commettre, yo pa vle poser, mener bataille contre question bandi armé, contre un ensemble de criminels. Ah oui. Alors que chaque jour tendez, la police, Ariel Henry, a parlé, a fait tout l'alito, a monté descendre à l'étranger, mais ou pourquoi jamais résultat. Et me songe que m'a rappelé nous ça. Lès que Ariel t'est sorti. Lès que Ariel t'est sorti. Dans sommet CELAC là. Lès t'a parlé dans micro la presse avec journaliste. Caméra avec micro journaliste. Ariel t'est dit peuple là que Ligue une bonne nouvelle pour lui, pas vrai? Ariel te dit, peuple, là, Ligue une très très bonne nouvelle pour lui. Et bonne nouvelle ça, que autorité dans le Conseil de sécurité de l'ONU, et le pays qui dit ses amis Haïti, yo tombe d'accord. Yo tombe d'accord. Pour que yo vin aider pep haïtien. Pour vin aider l'État haïtien. Nan bataille contre question nèg armé. Est-ce que je dis à doute l'an obligé continuer exister? Est-ce que je dis à doute qui existait la caille, peuple haïtien,
lakay acteur nou yo. Soit disant dirigeant dans l'état yo. Est-ce que nous avons dit tête nous que bataille contre insécurité aujourd'hui hein? C'est une bataille que nous capables lever pour nous résoudre un bon matin. Est-ce que même gens que colonel Himmler rébut hein, ligue doute que force internationale ça a vinn porter résultat a vinn porter réponse dans situation peuple haïtien trouvé là est-ce que je dis à même ou même en soi tout ou gen doute sou sa. Est-ce qu'on allait dans le même sens avec colonel Himmler Rébut? Mais est-ce qu'on allait dans le sens contraire là? Pour t'a dit que ou même en soi, comme peuple cap victime, cap vive moment difficile sa yo, que pas gen ou pas bois, que force la débarquer, qu'elle vienne aider peuple haïtien. Est-ce que je dis, hein? C'est ça ou dit tête? Est-ce que je dis, hein? C'est ça exactement que ou quoi la donne?